Ok, salut à tous les amis, c'est Fléchard. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 22 de The Legend of Zelda Minish Cap. Ouais, j'en ai déjà plein de vie. Je viens de m'en rendre compte. Je viens de m'en rendre compte. On a quasiment plus de vie. On va récupérer ça, on va prendre ce TP, on va prendre la vie, on va on va prendre la vie là-bas, parce qu'il y en a 300 000 de vie là-bas. Hop, une vie, deux vies. Hop, y a rien là, y a rien là. Une vie. Et une vie, hop. Hop. Moi, je m'attendais à un boss. Eh ben non, tout un donjon. Comme le temple de l'eau. Allez go, on reprend là où on en était. Ouf, et cette fois on a toute notre vie. C'était sûr ça, c'était sûr. Allez go, on part là. Oh non, ça c'est pire qu'un boss, ça sérieux. Ça prend toute la vie d'un coup. Oh, purée, c'était trop bien caché. Pour rien, il y a même pas une petite récompense, hein. Nul, ça c'est nul. Moi je crois qu'il y avait un truc, mais non, franchement, je vois pas. Il y aurait quoi là? Il y a le TP, heureusement d'ailleurs. Je sais. Il y en a un des deux qui se. Il y en a sûrement un des deux. Non, même pas. Je sais pas, ça laisse trop croire. D'ailleurs, il serait où le boss? Ouf. Comment on ouvre ça là? Il doit y avoir un interrupteur, un truc. Il doit y avoir un interrupteur en haut. Et. Non, je sais pas en fait. Il doit vraiment y avoir un truc là, je sais pas. Oh purée, ça nous fait casser la tête, Zelda, depuis le début. C'est que le début de l'épisode, ça nous fait déjà casser la tête. Ça nous casse déjà notre. Ça nous casse déjà la tête, purée. Purée de pommes de terre. Mince. Alors j'ai fait nimp. Oh non. Alors là c'est plus que nimp. Heureusement qu'il y a le TP. Le fameux, le grand, le TP. Casser mon crâne, hein, sérieux. Pas dessus. Oh.
Ça y est. J'en ai marre. Allez. Arrête de casser mon... Peut-être. Non. Mais si, attendez. Je vais casser mon crâne. Je vous jure, je vais casser mon crâne. Ça a abusé. Vous savez que c'est même pas le seul Zelda qu'on va faire. 200 rubis de tes grands morts. Y'a rien d'autre. Vas-y, c'était tout ça pour ça. Nul, nul. Il a failli m'attraper. Il y a un trou. Ah mais... Mais non, mais ça y est. Là c'est trop. Hop, il était quelque part par là. C'est trop. Attends, mais ça fait quoi ça? Oh là là. J'ai vraiment pété mon crâne. Je suis sûr que je vais péter mon crâne. Oh là, tu vois, on peut passer par là. Du coup, ça a activé quoi? Y'a rien de nouveau. Non, je vois pas. C'était censé activer un truc. Heureusement, maintenant on a les TP. Il est où? Se trouve, il y a un truc qui bouge. Non. Oh. C'était sûr. C'est pas possible. J'espère que les autres Zelda vont pas être pareils parce que là on n'est pas sorti de l'auberge. Y'a rien. Alors là j'ai fait n'importe quoi. Y'a un truc là. Ah mais non mais. Ok. Continuez encore une fois à casser mon crâne comme ça. Je vais vous tuer.
j'ai inventé. Ça y est! Ça fait que 10 minutes qu'on tourne. Allez, continue de jouer. Allez, hop, 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 hop. Allez, hop, la flemmardise, la flemmardise. Hop, on va pas se régénérer une flemme. Essaye de m'attraper encore une fois, je te trucide. Toi, c'est pareil. Hop, toi, je t'ai vu venir. Là, je vais péter mon crâne. Moi aussi, je sais faire la téléportation, vous avez vu. Enfin, la dernière clé. Y a quoi là? Évidemment. Y a rien. Et là, et là-bas, y a la porte du boss. Ok. Juste envie de voir tout exploser là. Par pur plaisir. Oh, c'est trop bien. On a plein de bombes en vrai. Enfin. Voilà quoi. C'était lequel qu'on devait. Non mais je suis sûr, je l'ai croisé 5000 fois à la porte, je peux pas avoir oublié son emplacement. Je vais péter mon crâne. Ah bah il est là-bas. Genre il a réussi, mais quel bougre. Je sais pas pourquoi j'ai dit bougre. Peut-être parce que c'est un bougre. Lui c'était sûr. Allez, la dernière porte, envoie-moi ça. Non mais il faut passer par là. Oh. Oh mais non, mais non, mais j'ai fait tout le tour pour. C'est mon crâne. Comment on fait pour y accéder, purée? J'y suis déjà accédé, non? Je suis sûr d'y avoir déjà accédé. C'est pas possible. J'ai cassé tout mon crâne. Ah mais. Ah mais. Je vais l'exploser mon crâne. Je vais le prendre, je vais le casser en deux. Ça y est, aussi s'ils nous font des trucs comme ça. Zelda a abusé quoi. Galère comme pas possible. Oh, ça va être rempli de magiciens, ça va être chiant. Oh. Non, la fée elle m'a pas totalement soigné. Oh non.
Quelle feignasse, j'ai jamais vu une feignasse pareille. Comme ça je crève pas, comme ça je crève pas. Les 5 patates sacrées de tes grands-morts. On va enfin tout réunir, manger. C'est mon crâne si ça continue. C'est que le début de la vidéo, putain. Hop. À quel moment ils nous font des trucs aussi durs là? Ça y est. On va où? On va à la porte du boss. Oh non. Allez, go, on va. Hein? Attendez, mais on a de la vie. Ok, c'est là-bas le boss. Mais ça fait pas longtemps qu'on tourne, on peut enchaîner.
Wesh. Wesh, non, ça y est. C'est quoi cette difficulté là? Non, mais ça y est, c'est abusé. Avec l'arc. Hours later. C'est quoi ce combat de boss? Ça y est, toujours là. Non, cette fois, il y en a deux. Impossible, boss.
je suis dead. Il est impossible ce boss. La musique qui s'arrête pile au lancement du boss. Attends, Snowball, j'arrive. Il y a mon chat qui veut sortir. En fait, on fait de la corde à sauter là, c'est pas un combat de boss. Oh mais non. Oups. Voilà, ça y est, c'est trop dur. Let's go. Enfin. Ouf. Non, encore. Ça y est, toujours plus dans la vie.
Enfin. On a enfin battu le boss. Enfin le dernier élément. Let's go. Magnifique. Vous avez trouvé l'élément vent. C'est l'essence de la force du vent qui porte le pollen et fait fleurir la vie. Magnifique. Hop. Par contre, ce boss, il était un peu éclaté, on est d'accord. Ok. Par contre, ce boss, sérieux quoi. Ils auraient pas pu trouver mieux. On a enfin trouvé les quatre éléments. Allons vite créer l'épée sacrée. Ouais. Ouais. On va juste impurger l'épée. Et ensuite, bah, on va impurger. Ah, on a tous les objets. Regardez-moi, c'est beau. On va juste impurger l'épée. Et ensuite, on va arrêter l'épisode ici. Ah, on peut pas. On doit descendre tout en bas. On va parler au vieux d'ailleurs. Comment il va? Tiens, toi. Tu vas au palais? J'aimerais. Non, mais ça, j'ai déjà fait. Je vais voir le vieux ce qu'il dit. Il y a un tourbillon au sommet de cette tour. Utilise-la pour aller au palais. Dépêche-toi de créer l'épée sacrée et de briser le sort lancé à la princesse. Il se fout de ma gueule. Oh, je l'ai eu ton truc. C'est que je l'ai fait tellement vite, vous voyez, ça m'a pas pris du tout un épisode entier. D'ailleurs, ici. Y a quoi? Oh. Nous sommes des humains. Nous aussi. Nos ancêtres vivaient sur Terre jadis. Ils vivaient à l'endroit que vous appelez les ruines du vent. Ouais, ça on me l'a dit. Je vais faire un assemblage. Ouais, je veux bien. Ça. Non. Bon. Ok. Hop, on pile leur truc. Hop, là, y'a rien, à part quelques rubis. Ok, là, c'est la porte de sortie. Je vais juste... Ah, là, y a des personnes. Oh, c'est toi. J'ai cru que je ne pourrais jamais rentrer chez moi. Mais grâce aux fragments que tu as assemblés au mien, j'ai réussi. Si tu cherches quelque chose, demande à notre grand-mère au troisième étage. Les vents la tiennent au courant de tout ce qui se passe. Ouais. D'ailleurs, tiens, tu veux faire encore un assemblage, s'il te plaît. Hop. Stylé. Voilà. Oh, une entrée. J'étais sûr qu'il y aurait un truc sous les cascades. Hop, on va piller aussi ce coffre. Hop. D'ailleurs, mémé, elle nous avait demandé d'en prendre. Donc, hop, on se sert. Et lui, il est pas... Bienvenue au-dessus des nuages chez les éoliens, le peuple du vent. Nous avons quitté la Terre il y a bien longtemps pour nous installer ici. Nous sommes les gardiens de l'entrée du palais où sommeille l'élément du vent. Ouais, mais lui il est dans la ville, on est d'accord, mais il est dans la ville. Oh, c'est pas grave. Ah, j'ai pas fait d'assemblage. Oh, c'est pas grave. Hop, allez, on va où? Du coup, on va purger l'épée et on finit l'épisode. Voulez-vous aller là, oui? Incroyable la musique de fond.
Allez, un peu comme ça, tapis vite fait, bien fait. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette soirée, en vrai. Oh, je suis... Non, attends, oula. Non, dégage de là. Toi-même, dégage de là, en fait. Moi, je suis un god, moi. Non, mince. Bon, allez, on va le faire normalement. On va juste utiliser les ailes pour y aller un peu plus vite de temps en temps. Dis donc toi, wesh, c'est qui m'a vu? Wesh, mais... Mais y'a personne qui me voit. Ça y est, je comprends plus. Mais je comprends plus pourquoi ça veut pas. Écoutez, on va attendre un peu. Voilà, hop, on va descendre. Et on va impurger vite fait l'épée. Ouh, ça y est. J'imagine qu'elle va juste être un petit peu plus puissante et puis elle va... On va pouvoir faire 4 clones, c'est ça? Bon allez, on impurge l'épée et on en finit. Allez, le dernier élément. Magnifique. La Master Sword, elle est incroyable. Enfin, c'est pas réellement la Master Sword, c'est quoi? C'est l'épée sacrée. Elle s'appelle juste comme ça. C'est banal quand même. L'épée de la force de l'élément du vent. Voilà. Grâce aux 4 éléments, l'épée blanche est devenue l'épée des 4. Okay. Elle peut envoyer un rayon qui rend leur aspect normal aux gens pétrifiés. Ouh. Et vous permet également 3 doubles. Ah ouais. Mais j'ai envie de tester ça. Ouh. Ouh. Mais c'est incroyable. Mais on va continuer encore un petit peu. Tiens, tiens, on dirait que cette porte s'est ouverte avec la création de l'épée sacrée. Elle mène peut-être vers... j'ai pas eu le temps de lire. Allons voir, Saint-Luc. Attends, fais voir ça juste. Incroyable. Je peux créer 3 doubles. Attends, fais voir. Attendez, je veux faire mes 3 doubles. Où tu vas, Link? Ouais, attends. Mais je veux tester. Oh. Bon bah je vous propose d'arrêter l'épisode ici. Car j'imagine que là ça va être le boss. Hein. Donc voilà. On se laisse ici pour la fin. La toute fin. Oh j'ai trop hâte. Le prochain épisode c'est le dernier épisode. Allez. Salut à tous les amis. C'était Fleischer et bye.